va appeler le 911 pour leur dire « Ouais les amis, il y a un incendie, venez nous aider s'il vous plaît !» On va appeler les secours, alors 911 c'est parti. On va appeler les pompiers, on va leur dire « Les pompiers, les flics, les pompiers et tout, il y a le feu là, venez nous aider s'il vous plaît !» Alors on va appeler les pompiers. Bien, salut à tous les amis, c'est Virtuos, j'espère vraiment que vous pétez la forme. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 PC, on est actuellement avec Trevor. On a fait très peu de tests et de vérifications avec Trevor, du coup c'est parti parce que Trevor fait quand même pas mal de missions sur GTA 5 qui sont plus ou moins intéressantes. Là on se retrouve dans la mission Légitime Défonce. Dans cette mission, normalement Trevor doit aller à la ferme Honneuil et tout défoncer, brûler la maison, la détruire, etc. Du coup on va effectuer quelques vérifications et quelques tests là-bas. J'espère vraiment que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous n'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus, ça me ferait extrêmement plaisir. À vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau ou nouvelle, à me donner d'autres idées de tests à faire dans l'espace commentaire. En ce moment je suis pas trop actif sur YouTube. Simplement parce que je suis en train de préparer un énorme projet qui demande énormément de temps et énormément de monde. Donc du coup c'est un petit peu compliqué. Pour ceux qui souhaiteraient avoir plus d'informations, les réponses se trouvent bien évidemment sur mon Twitter. Mon jeu bug, what the fuck? Pourquoi mon jeu bug? Ok, donc là c'est bon, on va se faire la mission en entier. On va voir en même temps en direct s'il y a des petits tests à faire. Monter, grimper sur la colline. Monte Trevor, vas-y grimpe. Grimpe, on va voir si déjà il y a du monde. Est-ce qu'il y a du monde déjà? Est-ce qu'ils sont là? Non, il n'y a personne. Sans grande surprise finalement hein, parce que maintenant on a un petit peu l'habitude. Pour l'instant il n'y a personne. La maison est en très très bon état. Dans la maison il n'y a absolument personne. Donc jusque là tout va bien. Ensuite on va monter sur la colline, on va voir ce qui va se passer. Normalement il va y avoir la cinématique, petite, voilà, et d'un seul coup, pouf, pouf, d'un seul coup, il y a du monde. Alors que tout à l'heure, ils n'y étaient pas. Ils sont en train de s'amuser, là, hop, 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 hop. Ah ouais, il y a vraiment beaucoup de monde comparé à tout à l'heure. Ok, donc monsieur est en train de s'amuser. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de tout défoncer de toute manière. On va y aller au fusil à pompe. On va voir en même temps, on va faire vraiment toute la mission en entière pour voir s'il y a vraiment moyen de faire... des tests au préalable. En tout cas j'ai déjà l'idée principale du test à la fin. Je vous le dis pas, c'est une surprise, mais de manière vous l'avez vu au titre de la vidéo. Ok, bon, il y a le mec là-haut. Écoutez, on va pas se faire chier, on va y aller directement au launch rocket. Hop. Hop là. Hop. Mais mon jeu bug hein. Mon jeu... Oh merde. Oh mais non, je m'étais pas mis invincible. Oh mais non. Oh mais la grosse boulette. Oh mais non, mais c'est quoi cette boulette? Ok, alors on va se remettre invincible. Voilà qui sera fait. On va défoncer tout le monde. Hop là, voilà qui est pas fait. Putain, j'ai même pas réussi à les avoir. Putain, mais elle est crevée. Hop là, voilà qui est fait. On va défoncer eux deux. Hop, toi t'es dead. Toi pareil. On y va vraiment au lance-roquette, on y va très très vite. Il y a un mec là-haut. Ce qui est assez bizarre, c'est que la maison est faite en bois. Et normalement, si je dis pas de bêtises, si je tire... Normalement, si je tire, la maison devrait prendre feu. Sauf que là, bah, la maison ne prend pas feu. Ce qui est assez particulier. Regardez. Regardez, là... Ah si! Ça peut prendre feu ou pas si je tire comme ça, regardez. Oh, la maison, elle brûle! La maison, elle brûle! On va foutre le feu. On va foutre le feu avant même de mettre l'essence. Par contre, elle brûle pas comme dans la cinématique qu'il va y avoir à la fin. C'est assez particulier quand même. Bon, on va y aller au fusil à pompe à l'intérieur. Hop. La maison peut brûler, mais elle brûle pas comme dans la cinématique qu'on va voir juste après. C'est assez bizarre quand même. Hop. Hop. Il y en a encore. Là. Hop, on y va en visant, ça va plus vite. Hop. Hop, faudra d'abord que je sache viser. Hop, 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 hop. C'est ici qu'on va descendre normalement. Hop là. Lui, on pourrait ne pas le tuer, mais on le bute hein, parce qu'on en a rien à foutre. Ah, maintenant on passe un petit peu à la partie intéressante. Nous allons mettre de l'essence. Et nous allons vérifier plein de choses avec cette fameuse essence. Donc on va mettre de l'essence vraiment sur le chemin où il nous indique.
Alors qu'avant, bah, on avait foutu le feu à la maison, mais ça avait pas forcément bien marché. Alors qu'avec de l'essence, ça skip, ça marche un peu mieux. Je sais pas comment est foutu ce jeu, mais c'est un petit peu bizarre quand même. Parce que si je tire au lance-roquettes, théoriquement. Voilà quoi. Putain, il y a encore un mec dans la baraque, c'est pas grave, il va brûler avec la maison. Vous imaginez, on aurait pu faire le test avec encore toutes les personnes à l'intérieur, on les aurait fait brûler. Ah, oh, ça aurait été énorme de faire ça. Ah, bah j'aurais dû y penser avant. Bon, malheureusement, j'y ai pas pensé. Bon, on va pas recommencer cette partie de la maison. Par contre, le bras droit de Trevor a changé de couleur. Le coude. La partie coude a changé énormément de couleur. C'est n'importe quoi. Mais what? Trevor, il s'est passé quoi sur ton coude? Oh! C'est impressionnant la couleur. Bref, je vais arrêter parce que sinon je vais être censuré par YouTube. Alors, on a bien notre petite traînée d'essence. Normalement, nous avons encore un petit bonhomme à l'intérieur. Where is the bonhomme? Is home? Il est où le bonhomme? J'aimerais bien essayer pour voir de le mettre sur la traînée d'essence. On va d'ailleurs voir si la traînée d'essence brûle bien jusqu'au bout ou si c'est juste une cinématique et du fake par conséquence. Hop! On va tirer dessus. Alors vous êtes prêts? Dans 3, 2, 1, let's go! Ok, donc c'est bon, ça prend feu. Ce qu'on va faire, c'est que on va voir la traînée d'essence. On la suit. On suit à partir du moment où ça prend feu. Regarde. Oh non! Mais laissez-moi ma caméra! Mais laissez-moi ma caméra! Je veux voir si ça prend vraiment feu! Laissez-moi ma caméra! Mais non! Mais non! Mais non! Mais... Avec la tête de Trevor et son nez. Ah, mais non, mais je voulais voir. Ah, mais non. Mais what? Mais what the fuck? La maison est en train de brûler. Enfin, du moins, la maison est détruite. Enfin, on a vu que la maison a explosé. Mais en fait, à l'intérieur, il n'y a rien qui est détruit. En fait, c'est juste des images de feu. Et en fait, à l'intérieur, il n'y a rien qui a brûlé. Donc, ce que je voulais vérifier tout à l'heure par rapport à la traînée d'essence pour voir si elle brûlait vraiment. Mais au final, elle brûle pas parce que la traînée d'essence, si je me souviens bien, elle a fait ça. Elle a fait ça. On est descendu ici. Hop. Ah! Ah, par contre, cette partie-là, elle brûle. Mais ça brûle pas comme on a pu le voir dans la cinématique où c'était des flammes à n'en plus finir et encore, ça, le feu s'arrête. Normalement, on est censé détruire cette partie-là. Et c'est cette partie-là qui ne brûle pas, donc c'est pas du tout logique. Mais what? Je suis assez choqué du fait qu'il y ait que du feu à l'extérieur. Enfin, c'est juste une image. Après, vous allez me dire comme d'habitude, ouais, mais on n'est pas censé rentrer à l'intérieur, donc Rockstar ne va pas s'amuser à faire ça. C'est vrai, mais c'est quand même intéressant de savoir ça, que finalement la maison ne brûle pas de l'intérieur. Maintenant, on va passer au test que je voulais faire. On va appeler le 911 pour leur dire, ouais, les amis, il y a un incendie, venez nous aider, s'il vous plaît. On va appeler les secours, alors 911, c'est parti. On va appeler les pompiers, on va leur dire les pompiers, les flics, les pompiers et tout, il y a le feu là, venez nous aider s'il vous plaît. Alors on va appeler les pompiers, voilà qui est fait. On va rappeler et on va appeler cette fois-ci la police pour dire qu'il y a eu un gros problème, voilà quoi, il y a eu une explosion, à mon avis ça devait être une fuite de gaz, voilà parce que cette maison est pas forcément très bien entretenue. Du coup ça part un petit peu en couille. Éloignez-vous de la ferme, bon, ça, on s'en fout. Ah, il décroche pas le 911. Je pense qu'on peut appeler qu'une seule unité en même temps. On va voir si les pompiers viennent. Le quad qui est mis à notre disposition, bien évidemment. On va s'éloigner de la ferme et ensuite on reviendra vers la ferme pour voir ce qui a changé. Normalement, la maison devrait être complètement détruite. Mais on va regarder de l'intérieur s'il y a vraiment quelque chose de détruit ou si le truc de mettre est encore là. Mais la priorité pour l'instant, c'est de savoir si El Pompier, El Camion del Pompier, peut venir. A priori, pour l'instant, pas de signe de pompiers à l'horizon. Alors que les pompiers sont censés venir quand il y a le feu, bordel. C'est pas du gros n'importe quoi, ça? J'ai pas l'impression qu'il y a du trafic non plus. J'ai même pas l'impression qu'il y a... Il y a personne sur la carte, en fait. What? Regardez, il y a personne. C'est désert. Il y a vraiment pas un rat. Il y a pas un rat. Attendez, on va s'éloigner. Bon, on a pu voir que les pompiers ne venaient pas. On va quand même faire le test final que je viens de vous dire. On va s'éloigner de la ferme, donc on va s'éloigner par exemple ici. Hop. Hop. Téléporte. Donc là, mission réussie. Attendez, ce qu'on va faire, c'est que time, j'arrête le temps. Hop. En espérant que ça va fonctionner, ce que j'ai envie de faire. La maison, normalement, se situe juste ici. J'espère que ça va fonctionner.
Hop là. Ah non, la maison elle est pas ici. La maison elle doit être là-bas. Voilà, là-bas la maison. La maison elle détruit. Normalement il devrait y avoir une cinématique pour montrer que la maison se détruit de cette manière là. Je sais plus trop. On regarde un petit peu à l'intérieur. Il y a encore les lampes. Les vitres de ce côté là sont plutôt bien. What? Mais what the fuck? Excellent. Excellent. Il y a que cette partie. Attendez, regardez. On arrive quand même un petit peu à revoir l'intérieur de la maison. Alors qu'elle est censée être détruite, mais il y a pas, on voit pas tous les endroits. Regardez, ici on peut voir en dessous que bien évidemment la maison n'est pas détruite. Ici on peut voir, en fait il y a que cette pièce là qui est encore plus ou moins accessible. Et celle-ci aussi, cette pièce là est complètement accessible. Donc ici c'est plus ou moins bien. Mais cette partie là, regardez, on arrive encore à voir l'intérieur de la maison. Par contre moi ce que j'aimerais bien voir c'est est-ce que le truc de mettre est encore disponible. Mais oui. La maison elle est détruite mais le truc de mettre il est encore là. C'est n'importe quoi. En fait sous l'épave de la maison, bah en fait les décorations et tout sont encore là. Mais ça vous pouvez le voir seulement avec un mode menu comme moi je le fais actuellement. Et franchement je suis assez choqué. Je pensais pas que Rockstar, enfin je pensais que ça allait être un remplacement de texture. Et du coup que la texture qu'il y avait avant allait la remplacer. Mais je pensais pas qu'ils allaient se superposer comme ça le fait actuellement. Là les textures se superposent et du coup avec une caméra mode libre on arrive à avoir des choses exceptionnelles. Bon bah écoutez les amis, on arrive enfin à la fin de cette petite vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura fait plaisir. Si c'est le cas comme d'habitude vous n'hésitez vraiment pas à me le dire dans l'espace commentaire. Un petit like, un petit partage, vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau ou nouvelle. Et nous on se dit à la prochaine. Allez bye tout le monde.